Hey, salut, c'est Midas, vous allez bien? Le court-métrage, il commence dans une dizaine de secondes, mais juste avant, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie de voir les prochains épisodes. Alors, abonnez-vous et activez la cloche des notifications, c'est 100% gratuit, surtout cette cloche! Activez-la, et comme ça vous verrez toutes mes vidéos. Vous vous ennuierez plus jamais, c'est sûr. Et surtout, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu si vous aimez, ça aide énormément la chaîne. Merci à tous ceux qui mettent des commentaires gentils, c'est vraiment super cool de votre part. Je les lis tous. Et si vous voulez me soutenir pour plus de courts-métrages, code créateur Team WoW dans la boutique. C'est parti, on envoie la vidéo. Ah ! Laisse-moi ! Ah ! Ah ! À l'aide ! Je peux pas mourir comme ça. Pitié ! Crève ! Charlotte ! Aidez-moi ! Midas ! Charlotte ! Aide-moi, Midas ! S'il te plaît ! Papa ! Me laisse pas mourir comme ça ! Charlotte, jamais je ne te laisserai ! Papa, je... Au secours ! Charlotte, je vais te prendre, je vais t'emmener et je vais te soigner. Allez, viens, ma princesse. Par contre, toi et moi, on a des comptes à régler concernant Julie. Ouais, tu sais, celle que tu as tuée! Bon débarras d'elle! Ah! Aïe! T'es puni! Voilà ta leçon! Je tuerai l'autre Julie alors! Tu as tué Julie en armure, mais pas ma vraie Julie donc. On va dire que je te pardonne. Ah! Ah! Merci! Maintenant, laisse-moi! Attends! Je vais appeler ta sœur. Toi, moi et elle, on va discuter. Que tu as tué Julie en armure. Tu pourras pas me garder éternellement. Va sauver maman. J'ai fait ce que j'ai pu pour ta mère. Je te parle. Oui, je sais, j'ai fait ce que j'ai pu pour ta mère. Tu vas payer ce que t'as fait à maman. Ah, mais elle est tarée. Ah, ça fait mal. Charlotte. Charlotte, je t'interdis de t'enfuir. Tu veux que je te punisse jusqu'à la fin de ta vie? Charlotte. Stop, Charlotte. Maintenant, ça suffit. Arrête-toi. Charlotte! Oh, mais c'est pas possible! Charlotte! Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter une fille comme ça? Aussi mauvaise et méchante! Faut que je lui échappe! Je vais t'attraper, Charlotte! Et crois-moi que tu vas passer un sale quart d'heure! Je vais t'avoir, Charlotte! Tu m'en empêcheras pas! Si tu crois que je vais te laisser tuer ta sœur, tu rêves! Jamais je te laisserai tuer la vraie Julie, tu m'entends? Reviens ici! Hé! Hey, je vais t'avoir. Oh! Où est-ce qu'elle est passée? Je l'ai perdue de vue. Je suis grillé comme une saucisse, là. Mais qu'est-ce que... C'est quoi ce bruit? Une fuite? Non? Quelqu'un veut me tuer! Ah! Ça devrait le ralentir, mais pour être sûr... Charlotte, alors là, crois-moi, que tu vas te souvenir de la fessée que je vais te donner. Ça fait des années que j'attends cette vengeance. Si tu crois m'échapper, alors là, tu rêves. Charlotte, ça suffit. Arrête maintenant, reviens ici. T'as pas d'ordre à me donner. Va-t'en. Non. Ne touche pas ce truc. J'y vois plus rien, je... Qu'est-ce que ce truc qui m'aspire? Qu'est-ce que... Il m'appelle... Oh. Vous me croyez tous morts, mais je suis toujours là. Je vais me venger de John Jones le traître. S'il croit vraiment qu'il peut me tuer sans tirer... Il rêve! John Jones, viens me chercher! Le bunker est enfin ouvert. Excellent. Je vais pouvoir récupérer ce qu'il y a à l'intérieur. On va tous les tuer. Il ne faut pas faire de bruit. Ils ne doivent pas savoir qu'on est là. C'est une opération discrète. Prêt? Prépare tes armes. Feu! Ah, je suis touché. C'est lui! Je sais que c'est lui! Garde! Éliminez-le! Bande d'incapables! Vous êtes vraiment inutile! Je ne vous réanimerai pas! Mourez! Incapable! John Jones, je vais t'avoir!
Si tu crois que je vais me laisser faire, mon cher John, eh bien tu rêves. La prochaine fois, quand tu essaieras de me tuer, réussis ou meurs. On ne peut pas tenter de me tuer impunément. John Jones, qu'est-ce que tu dis de mes pouvoirs? Mais comment est-ce qu'elle peut être en vie, elle? Allez, John, viens par là me faire un câlin. Je peux me dédoubler à l'infini. Enfin, presque. Heureusement que j'ai mes protections, Jones. Sale traître! Elle ne peut pas être en vie, je l'ai tuée! Allez, John, montre-toi! Viens! Après tout, ce n'est qu'une balle que tu vas prendre! Finissons-en! Dispersion! On doit l'encercler! Allez-y, les filles! Encerclez-les! Et un de moins! Ah! John! Je compte sur toi! Tu l'as! Je vais l'éliminer! T'inquiète! Apprends à tirer, John! Et voilà le travail! Par contre, quelque chose m'échappe. Je l'avais jetée de la falaise. Elle devrait être morte. Ce n'est pas possible. Quelque chose ne colle pas. Mais je vais tirer ça au clair dans les prochains épisodes. Tout le monde m'a oublié. J'ai toujours été du bon côté. Meilleur que Midas. Plus sensible. Je veux pas mourir. Mes filles, je les verrai plus jamais. Marigold, c'est toi ? Ta malédiction m'a touchée. Oui, je sais. C'est ta faute. Oui, c'est ta faute que mes filles seront orphelines. Tu m'as abandonnée en plus. Non, Marigold. Il ne me reste plus beaucoup de temps. Marigold, je voulais pas, j'ai pas fait exprès. Mon bras se transforme. Je vais bientôt mourir. Marie, non, ne dis pas ça, mais... Mais attends, tu étais déjà transformée en or. Je comprends plus rien. Ma tête, où est-ce que je suis? L'agence? J'y comprends plus rien. Qu'est-ce que je fais là? J'étais avec Marigold il y a quelques instants, C'est mes souvenirs? Est-ce que je suis perdu dans ma propre mémoire? J'y comprends rien. Hey! Hey, y'a quelqu'un dans l'agence? Hey! Miaouz Clay! Marie! Sig! Ah, Midas! Je suis content de te voir. Toi, sale traître! Mais c'est moi, ton frère, qu'est-ce que tu dis? Allez, Midas, t'es pile à l'heure! Sale traître! Sig! Comment ça se fait que tu es en vie? Je t'avais tué! Oh, allez, c'est bon, dis pas n'importe quoi! J'appelle la boss pour lui dire que t'es arrivé! C'est ton premier jour de travail, non? T'as pas intérêt de faire n'importe quoi! J'y comprends plus rien, là, Je me souviens plus de rien depuis que... Hé! Hey, pose ce truc! Je deviens cinglé, là! Mais de quoi tu parles, Midas? Arrête de dire n'importe quoi! Allez, dépêche-toi! J'y comprends plus rien, mais je vais y aller quand même. Que je te revoie pas, Sig. Elle aime pas attendre, je te préviens. Dépêche-toi si tu veux pas être viré. D'après mes souvenirs, le bureau de Marigold et mon bureau étaient juste là-bas à gauche. Par contre, il y a tellement de choses qui ont changé, je suis perdu! Je suis dans ma propre mémoire, je deviens fou. Est-ce qu'on me manipule encore? J'y comprends rien. Le dernier à avoir réussi à faire ça, c'était Rick. Ah, Marie! Marie! Marie, c'est bien toi? Ah tiens, le petit nouveau. Beau gosse. Marie! Alors, c'est bien toi le nouveau? C'est la première fois que j'avais vu ma femme, c'est bien ça? Oui, c'est ce souvenir-là. Le fameux Midas. Je te fais de l'effet que tu rougis comme ça? Alors, mon mignon, tu as quelles compétences? Allô? Tu comptes répondre? Mais elle se souvient pas de moi, Je suis perdu dans mes propres souvenirs! Je ne vois pas de quoi tu parles. Marie! Bref, suis-moi. Je t'aime. Marie! Marie, j'y crois pas. Bla bla. Marie, attends! Marie, je t'aime. Réveille-toi! Oh ah ah, j'avais pas ce souvenir d'avoir été frappé. Tu appartiens à la reine. Hein? Quelle reine? De quoi tu parles? Tes souvenirs sont les siens maintenant. Non, je suis sous l'emprise de cette sorcière. Mais comment c'est... C'est quand j'ai percuté le cube! Marie!
Si tu m'entends, si tu es là quelque part, arrête, écoute-moi et aide-moi. Marie! Toi, sorcière! Tu es dans ma tête et dans mes souvenirs! Et ça, tu vas me le payer! Il n'a pas compris que tout cela n'est qu'une illusion. J'y comprends rien! Midas! Je t'aurai! C'est moi qui vais t'avoir! J'aurai ma vengeance, que tu le veuilles ou non! Je vais t'avoir, tu vas subir ma colère! Oh, mais t'es qui, toi? C'est moi, la reine! C'est ta fille, Charlotte, qui a activé le vortex et tu t'es fait absorber avec elle. Quoi? J'ai été absorbé par... Ah, ça explique les souvenirs manipulés. Tu as tout compris à ce que je vois. Maintenant, tu m'appartiens, Midas. Tu vas faire tout ce que je te dis. Hein, tu seras un gentil garçon avec ta reine. Étant donné que tu as utilisé ma mémoire contre moi, je vais me venger. Tu es à moi! N'approche pas! Tu ne m'échapperas pas, Midas. C'est ce qu'on va voir. Tu ne m'échapperas pas, je te dis. Hein? Et tu comptes faire comment? Non, 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 non! Corruption! Non, 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 non. Ah ah. Ma reine. Tu m'appartiens, hein, Midas? Oui. Qui es-tu? Je suis votre serviteur. Bien, très bien. Mes pouvoirs ont fonctionné sur toi. Je ne sais pas ce que cette reine m'a fait, mais... Je suis obligé de lui obéir. Je crois que je vais le savoir dans le prochain épisode. Alors abonnez-vous et activez la cloche des notifications. Mettez un pouce bleu et je vous dis à bientôt. C'était Midas.